Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la caille nous jeudi, vendredi 28 juin 2024, là, en collaboration avec VOA Créole pour que nous capables d'informer de ensemble pour cap dominer l'actualité, pas pour la caille, pas nous à l'étranger. Mais quelques points à gagner pour nous développer un journal là, eh bien, gagner pas pour la caille, pas nous, dans la question insécurité, gagner un commissaire Muscadin qui lui-même mettait dominé dans les yeux, un présumé bandit qui gagne nom Olgui Simon dans la juridiction par là, eh bien, bandit ça qui lui-même t'a passé dans la juridiction par là pour qu'il était capable d'aller à la caille Baradère, eh bien, les croiser ensemble avec Bab Poubab, avec commissaire Jean-Ernest Muscadin. L'autre information dans le journal, là, il y a un ministre Affaires étrangères haïtien, n'a parlé de Dominique Dupuy, qui rencontrait jeudi, vendredi, avec homologue dominicain, n'a parlé de Roberto eh bien, Alvarez, dans l'occasion 54e Assemblée générale OEA. L'autre bord de l'eau, information que nous allons, eh bien, amenez-nous aux États-Unis, il y a l'administration Biden qui lui-même renouvelé et désigné Haïti pour capable pour un programme TPS pour 18 mois, gagner immigration qui lui-même bail autorisation avec immigrants qui qualifient pour que yo capable vienne passer et à appliquer. Faut nous dit que yo un délai de 60 jours pour capable appliquer, eh bien délai ça cap commencer à partir 1er juillet cap venir là. L'autre information, l'autre bord de l'eau, mais nous dans le pays Israël, côté que, eh bien, gagné pays Israël qui bombardait un camp dans le territoire à Gaza, ça qui l'a gagné à Palestine, dans un courri après bombardement ça. C'est ensemble un point que nous avons gagné pour nous développer dans le journal là. Nous avons tourné après pour que nous soyons capables de développer, eh bien, information si là. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde qui est connecté. Bienvenue dans le développement journal. Nous avons démarré le journal avec un chapitre insécurité. Eh bien, gagné Olgui Simon, alias Deguidon. Eh bien, c'est un présumé membre gang Village de Dieu qui stoppait, eh bien, mercredi 26 juin 2024, dans la zone Miragouane. C'est un commissaire gouvernement, Jean-Ernest Muscadin, qui lui-même arrivé stopper Bandissa. Présumé Bandissa, lui présenté par le commissaire gouvernement comme un membre, eh bien, gang ISO 5 secondes qui a opéré dans le Village de Dieu. Deguidon est tué dans le moment côté que l'État quitte capitale là. Pour être capable de prendre refuge la Kali Baradère. Nous avons quitté l'information qui vient pour vous avec dossier SILA, mais nous avons toujours été dans ce qui concernait le chapitre sécurité pour nous dire que nous avons une bonne nouvelle pour le centre ambulancier national, puisque eh bien gagné une ambulance que Corporate sans race prend pour Moun eh bien Kanyo. Pour l'institution ça, qui se sent ambulancier national, bonne nouvelle, c'est que l'ambulance ça, l'IRIV, récupérée par Cannes, eh bien, pour le moment, faut qu'on dit, ambulance ça, l'IRIV en possession de centre ambulancier national qui n'a département la Tibonite. N'a quitté information qui est pour insécurité. On a parlé de diplomatie, eh bien, gagné dans l'occasion Assemblée générale, 54e Assemblée générale OEA, gagné un ministre Affaires étrangères, là, Dominique Dupuy, qui lui-même profitait de moment ça pour être capable de rencontrer avec homologue dominicain. On a parlé de Roberto Alvarez, ministre Affaires étrangères et culte haïtien, Dominique Dupuy, lui, t'a parlé jeudi, vendredi 28 juin, avec le secrétaire parlementaire pour le ministère Affaires étrangères Canada, Robert Oliphant, et puis il parlait tout avec chancelier dominicain Roberto Alvarez durant ses journées dans le pays Paraguay. Dossier force multinationale, il est rentré dans la discussion pendant la rencontre qui a été faite dans la capitale paysan. Il a parlé de Asunción. Eh bien, ils ont abordé question migration, notamment situation migrants haïtiens dans le pays Brésil, et puis soutien gouvernement brésilien par rapport avec mission d'appui sécurité. N'a pas continué avec information. Cette fois-ci, n'a quitté pays Haïti pour que nous capables d'aller à l'étranger. Nous aller dans le pays États-Unis. Bonne nouvelle pour pays Haïti. Gagné, eh bien, gouvernement Biden, administration Joe Biden, qui lui-même prolongé pour une période de 18 mois
programme TPS là que administration Biden a mis sous place. Faut nous dire c'est seulement haïtien qui aux États-Unis en 23 juin 2024 là qui a gagné un privilège pour qu'il soit capable de participer dans la prolongation ça d'après le journal Ami Amiral. Actuellement environ gagné 214 000 haïtiens qui gagné statut ça et gagné plus que 300 000 migrants supplémentaires qui capable renouveler éligiblement dans cadre désignation ça d'après ça que journal américain Amiral fait connaître. N'a quitté information qui est pour avec dossier TPS cette fois-ci eh bien nous pral parler de bombardement ça et qui était gagné eh bien non et Hamas eh bien jodi an pour nous dit gagné Israël qui lui-même bombardé eh bien yon camp réfugié qui nan Gaza et bombardement ça la cause eh bien 7 moun mouri et il y a 3 organisations qui fait désormais objet de sanctions de la part de l'Union européenne depuis attaque ça n'a pas appelé qui lancé 7 octobre par Hamas palestinien contre Israël. Eh bien information ça c'est une information qui vraiment paraît douloureuse pour moun sa yo surtout qui nan camp Hamas par rapport avec pays Israël qui lui-même bombardé eh bien moun sa yo. Gen Union européenne qui annonce jodi vendredi que li pran sanction contre 6 moun et 3 sociétés qui accusé de financer mouvement islamiste Hamas ak jihad islamique palestinien côté que eh bien yo pran sanction contre organisation sa yo et puis moun sa yo sanction sa yo ciblé 3 entreprises qui qualifiées de sociétés écran destinées à faciliter le flux financier eh bien, et les placements de Hamas contrôlés par un homme d'affaires qui établit dans la ville Soudan. C'est avec information ça que nous avons mis en route avec un journal là, mais nous avons invité à rester suivre puisque VOA Creole a venu avec plusieurs autres reportages. Moi, tout, et nous espérons n'a plus encore. Semaine prochaine, mes nouvelles. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité, l'administration Biden a renouvelé et redésigné Haïti pour programme et statut de protection temporaire TPS pour 18 mois. Immigrants qui qualifient ont gagné 60 jours pour appliquer à partir du 1er juillet 2024. Opinion électorale département après débat élection présidentielle américaine entre candidat parti démocrate Joe Biden et candidat parti républicain Donald Trump. Et puis, Palestiniens ont lagué dans le courrier après soldats israéliens ont bombardé un camp dans le territoire Gaza. C'est quelques points à développer pour jeudi dans le journal là. Nouvelle là, c'est décision administration américaine prend jeudi vendredi 28 juin 2024 là pour lui et redésigner Haïti pour programme temporaire et le statut de protection temporaire TPS et en même temps tout et redésigner Haïti pour programme pour même programme ça alors tout le monde qui était dans le pays jusqu'au 3 juin 2024. Nous prenons un avocat, c'est maître Frédéric Denis Junior qui vient dans ma amie qui était à parler avec Lucien Chienville sur dossier là. C'est une décision qui l'a gagné content dans la communauté haïtienne ici aux États-Unis. Qui sa décision ça y est, qui sa ligue la donne, qui moun qui éligible jusqu'à qui date pour trouver sur territoire américain pour capable éligible. C'est ensemble de questions que nous allons avec M. Fredley Denis Julien, lycée avocat immigration. Ça veut dire que les gens qui ont un TPS déjà, ils peuvent permettre de renouveler le TPS. Et les gens qui n'ont pas un TPS, pourvu que vous êtes aux États-Unis le 3 juin 2024, là, là, ou capable d'appliquer pour TPS pour la première fois. Il y a des critères de disqualification, nous toujours parlé de eux. Par exemple, il faut ou pas gain yon condamnation pour yon felonie et faut ou pas gain yon condamnation pour et misdemeanor et deux condamnations pour misdemeanor, OK? Ça veut dire yon crime ou bien deux délits, faut pas gain de ça yo. Ensuite, et faut ou pas té et gain l'autre critère d'éligibilité et d'inéligibilité, par exemple, moun ki te fait asile que juge la te jugé frivole moun sa yo pa capable. Donc faut être là physiquement le 3 juin
et du 3 juin au 1er juillet, faut que vous te continuez dans le pays physiquement et jusqu'à ce que vous voyez l'application aller. Maintenant, il y a une question qui qu'on poser et ou bon monde qui était là le 3 juin et puis le 6 juin il est déplacé ou bien le 15 20 juin il est déplacé et puis mon Dieu qu'on a demandé nous est-ce que mon ça s'il court tourner là est-ce que le cas appliqué pour TPS dépendamment de cas oui il a cas appliqué parce que nous avons plusieurs cas déjà de monde qui qu'on part là qui était là dans date d'éligibilité à qui déplacé leur annonce là mais qui court venir et mon ça yo qu'on éligible et pour cela au besoin avocat compétent qui ca aide TPS là va courir de 4 août 2024 à 3 février 2026. Maintenant, il y a deux catégories. Les gens qui renouvellent les TPS, ils ont gagné 60 jours pour renouveler. 60 jours pour renouveler, vous l'avez dit, ils ont gagné du 1er juillet au 30 août 2024 pour renouveler. Les gens qui ont appliqué pour la première fois, ils ont gagné du 1er juillet au 3 février 2026. 1er juillet 2024 au 3 février 2026 pour faire application. Maître Frandley, Denis Julien m'a dit tout intéressé pour commencer à préparer document puisque d'ici lundi 1er juillet qu'a venir là, ou capable de commencer vos applications. Depuis Miami, l'État Floride. Luxon Saint-Ville, pour voir Creole. Merci et Luxon Saint-Ville alors sous pour te brancher. Sous nouvelle ça, c'est redésignation Haïti pour TPS, programme et statut de protection temporaire, et puis tout, et extension pour Haïtiens tout, qui dans le pays jusqu'au 3 juin, il est capable d'appliquer pour le programme SILA en agissant dans le meilleur pour plus de précision. Secrétaire de sécurité nationale États-Unis Alejandro Mayorkas annoncé jeudi vendredi 28 juin une extension ak redésignation statut protégé temporaire TPS pour Haïti. Extension c'est pour 18 mois sorti depuis 4 août 2024 pour arriver 3 février 2026. Mallorca cité comme raison pour extension situation extraordinaire et provisoire qui existait en Haïti. Gouvernement publié annonce là sur réseau officiel qui relait The Federal Register. Côté au bas information sur qui j'en pour inscrire pour TPS en tant que nouveau abonné ou bien un bénéficiaire actuel d'après extension et redésignation. Haitian Bridge Alliance, une organisation non gouvernementale qui gagne basé dans San Diego, Californie, et qui travaille pour aider migrants qui cherchent entrée aux États-Unis, bat bravo pour décision administration Biden. Dans une note pour la presse, yo voye by VOA, Haitian Bridge Alliance dit décision ça by des milliers haïtiens qui cherchent refuge aux États-Unis, un gros soulagement que yo besoin en pile et puis stabilité. Nous remercier partenaire nous militants, membres congrès et l'autre responsable élu qui a un impact sur la communauté noire qui demande l'administration à adopter mesures essentielles. Directrice Haitian Bridge Alliance, Gerline Joseph, fait remarquer migrants haïtiens qui sont éligibles pour TPS contribuent à un affaire de 31 milliards dollars dans l'économie américaine. Gerline Joseph dit bénéficier TPS haïtien yo te contribué 4,4 milliards dollars dans l'économie États-Unis en 2022. Cependant, Gerline Joseph dit TPS c'est une mesure temporaire. Donc, il lance appel by Congrès pour adopter réformes compréhensives dans la loi immigration yo qui t'a créé un chemin pour protéger tout bénéficiaire TPS yo d'une façon qui permanente. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Well, jeudi 27 juin, c'était gros débat, gros causé site aux États-Unis. Il n'en a pas eu de campagne électorale américaine. C'était le premier débat qui était mis face à face. Et ancien président Donald Trump avec président d'exercice là, Joe Biden. C'était le premier débat côté en pile causé de parler. Et il y a un sujet qui était parlé, c'est tout sujet sur immigration. Nous voyons une valeur Saint-Louis.
depuis ville New York. Joe Biden et Donald Trump yo chaque te présenté argument par yo bay potentiel électeur yo pour convaincre yo sous raison qui fait que yo ta doué prochain président. Pendant campagne là, Donald Trump dit que l'économie américaine écrasée. Et dans débat qui était fait dans Atlanta que CNN t'a organisé, Donald Trump t'a dit et n'a cité, America c'est une nation qui sérieusement échoué. Donald Trump t'a dit Biden t'a fait un mauvais travail. Inflation a touillé pays noir. L'a touillé nous définitivement d'après ça t'a dit. Pendant campagne là, Joe Biden beaucoup te parle, t'a dit que t'a redressé économie ça que Donald Trump t'a fin crasé qui t'a pour lui comme héritage. Et pendant débat qui était fait dans Atlanta, Joe Biden t'a dit qu'il y a plus bagaille qui pour faire dans économie. Joe Biden te dit que l'administration Lyon a travaillé pour faire descendre prio à rebot table dans la cuisine. Nan. Et c'est ça que nous prenons le faire, c'est qu'on s'en parle. Sondage qui fait sous opinion publique a montré que c'est une course électorale qui serrait avec économie et puis problème immigration qui d'intérêt principal pour les gens qui prennent le voter. Dans le débat, Donald Trump dit que Joe Biden a échoué dans protéger Américain contre immigrants illégaux qui apprend travail. Yo. Donald Trump a dit que frontière États-Unis, c'est côté qui plus dangereux dans le monde, qui considéré comme côté qui plus dangereux n'importe côté dans le monde. Et puis Biden a ouvert li et assassin sa yo a vin dans le pays noir. Et puis il a violé et puis tué femme, c'est ça qu'il a dit. Dans le débat, Joe Biden lui-même a fait voter yo songer politique séparation famille que l'administration Trump a mis sous pied pour immigrants. Joe Biden a dit que Trump était président, il était séparé bébé yo ak maman yo, li te mette yo nan kaloj pour assurer que famille yo te séparé. Sous la guerre en Ukraine, Trump te dit président Rusla Vladimir Poutine pas tap jam envahi Ukraine s'il te président. Trump te dit comme président Eli, li pral résoudre la guerre ça entre Poutine ak président ukrainien Vladimir Zelensky avant même li entrer en fonction le 20 janvier, li pral régler la guerre ça. C'est ça le te dit. Joe Biden répond ni même pour dire que manque support Trump pour allié américain yo encourager la Russie et menacer pour faire une la guerre puis élargir en Europe. Biden te dit Poutine voulait prendre toute Ukraine, c'est ça li vle. Laisse ça ou pensez li pral suspend, ou pensez li pral suspend Léa, si li prend Ukraine, qui soit pensé qu'a privé pays Pologne ak Biélorussie, Biden te dit. Ça c'était premier débat présidentiel dans histoire pays États-Unis pendant que ni Trump ni Biden pa ko gen nomination officielle comme candidat parti yo. Yo gen 75 jours devant pour convaincre électeur yo, moun ki pral voter yo, pour choisir youn nan yo comme président avant prochain débat qui li même programmé dans mois septembre prochain. Reportage c'est la You VOA News Atlanta, adaptation créole Valerio Saint-Louis pour VOA Créole New York. Merci Valérie Saint-Louis. Alors, il y a une bagaille qui est dans la culture américaine, dans un grand événement, ça y est. Des fois, on pas chit à la caillou, puis on suit l'événement dans la télévision. Et parfois, on réunit en famille. Ou bien encore, on réunit en amis. Et des fois, tout y a une place publique, côté que gomble tout le monde chita, et quelques jours dans ce temps, on chita. Et pour y garder, bien sûr, le débat, et même tout faire commentaire entre eux. C'est question ça même que Gentil Junior pour regarder avec nous qui j'en s'est passé hier soir. Sorti New York, passé Los Angeles, Michigan à Las Vegas, même passager qui n'a un vol qui sorti Minneapolis pour aller Miami. Plusieurs millions Américains t'ap gardé premier débat 2024 là entre président Joe Biden et ancien président Donald Trump. Nan parti pour Trump là, électeur yo suggéré que performance Biden montré li pas approprié pour réélection nan pire fonction nation. Mwen pa vle dérespecter moun ki pi gran yo, mais Biden se ou konnen li parle en pile, mais mwen pa pense li en forme pour yon leader. I think it's really hard. Mwen pense ke li vraiment difficile pour n'importe moun ki raisonnable garder ça. Et puis konnen ke monsieur Biden pas en forme pour le vice président nous. Moi pense que Donald Trump t'est bien fait à Soya. Li pat fait tête chaud. Li t'est resté posé. Donald Trump I think he did well tonight. He li t'est un petit Jean Kimbe. Moi t'ai vle li pi agressif. Mais ou konnen li doué sage. L'autre observateur de Bayo t'est déçu parce que candidat yo pat répond directement quelques questions. Tant kou promesse Trump te fait pour déporter plusieurs millions d'immigrants sans papier si yo ta elil. Ancien président Trump pas répond question. Est-ce qu'il pral essayer déporter 13 ou soit 14 millions d'immigrants kap gen la dan? Ti moun, mari ou soit madame l'autre moun. Moun ki te isit la
depuis 20 ou soit 30 l'année. Moi pense que candidat yo pas répondre quelques questions. Malheureusement, gen moun ki réagit tout sous prix la vie a kap augmenté. Biden ak inflation, tout bagay te monté. Prix yo 3-4 fois pi ou passé époque Trump la. Prix gasoline yo trop ou. Nan yon parti surveillance pour démocrate yo nan Los Angeles, supporter Biden yo te concentré sous problème yo. Au lieu que yo évalue performance yon nan candidat yo. Trump se yon menteur complet. Tout ça li di, c'est juste yon menti après yon l'autre. Et puis, li pa jam protège nous comme femme. Li pa pral protège minorité yon nan tout pays ya. Li pral fè bagay yo pi mal pou nous. Et puis, li pral mette nous nan plis la guerre. Li difficile pou gade pou wè, yon moun ap bay public américain yon menti. Li difficile pou gade. Monsieur Biden vraiment soucié des droits femmes yo. There is no crime. Pas gen aucun vague criminel immigrant cap entrer dans pays ya. Pas gen bagay comme ça. Président Trump, ancien président Trump, utilise mot ça yo seulement pour dénicher yon base qui seulement vle créer yon pays côté moun pa vle wè étranger ak raciste. Rete seulement pipiti passé 5 mois avant jou élection yo. Électeurs yo pral gen yon lot opportunité pour évaluer candidat yo pendant prochain débat qui programmé pour 10 septembre 2024 kap vini la. Doa Makoa, VOA News Washington, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole Washington. Alors, Gentil, dans le prochain débat, deux candidats, pratiquement, partis respectifs, donc parti démocrate là avec parti républicain, il y a déjà désigné officiellement deux candidats, aussi pas gagné qui passaient, pour représenter une élection 5 novembre 2024 là. Dans notre nouvelle, nous parlons au Pérou, côté un gros tremblement de terre qui saccagé une zone dans le pays et causé un pile de dégâts matériels, mardi soir. La de Guanajuato está bloqueada por deslizamiento. En el caso de un tremblement de terre qui mesurait 7,2 sous quelques côtes sud Pérou, autorité a dit pas y aucun rapport tout suite sous victime. Sondage géologique États-Unis te dit tremblement de terre a été fait à 1:36 matin et puis ça a été localisé dans l'océan Pacifique là, à peu près 8 km dans l'ouest district Aticuipa, dans la province Caraveli, tout près frontière avec Chili et avec Bolivie. Centre avertissement tsunami Pacifique là dans Honolulu te dit que n'importe menace tsunami t'est déjà passé. Tremblement de terre souvent passé dans Pérou parce que pays ça situé dans ceinture du feu Pacifique là. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Voilà, et dans notre programme de mini-actualité, à Monte Carlo, Palestiniens qui t'a couru caché et les soldats israéliens ont commencé la guerre quelques coups de montier dans une localité, dans un territoire Gaza. Nous parlons ça avec Serge François Michel. Défense civile palestinienne fait connaître pour petit 7 monde perdit la vie dans frappe yo. Monte Carlo la fumé qui a monté des buildings qui dommagé et tendait réel monde dans zone là qui était dans gros panique. Yon monsieur t'a poté un petit garçon qui ben en sang et gagnon l'autre qui t'a filmé li et li dit reporter agence nouvelle Reuters. C'est occupation qui comme ça. C'est occupation qui vise nous tant que nous ka wè. Ou ka seulement gade ti moun yo, y a visé ti moun ici là. Israël accusé militant yo comme quoi yo caché dans mitan civil et li di li avait ti moun déplacé yo pour yo bay route pour opérationner contre combattant yo. Porte-parole l'armée Avichai Adrahi t'a posté un message sur X qui dit tout résident ak moun déplacé dans zone Cholaya ak nouveau quartier pour sécurité nous devons évacuer tout de suite parti au sud Risala Aldin pour aller dans zone résident dans zone nord ak média Hamas fait connait tant qu'il était déjà roulé entrer avant message l'armée t'a paraître sur réseau X là. Et moun ki soti nan banlieue ki nan l'est t'a couru dans direction l'ouest en bas Koudza pendant Israël bloqué route sud là. Aucun monde bon côté l'armée Israël là pas parlé sur question. Yon témoin décrit situation.
Ça qui a passé, peuple noir, ce n'est pas seulement un holocauste en masse. Peuple noir qu'on a obligé de courir en masse pour y tourner migrant dans une catégorie de monde qui grand goût et qui en bas différents tanks. Comme ça, nous demandons au monde là, pour lire les mots pour nous, pour prendre responsabilité devant le monde dans Gaza qui en bas calamité et qui pas qu'à jouer rien pour manger. Un militant qui a gagné Hamas dans la tête, il a envahi la partie d'Israël 7 octobre passé. Il a tué environ 1200 personnes et saisi plus de 250 otages, d'après le bilan Israël Tebaï. Pour les petits, 37 000 Palestiniens ont perdu la vie et plus de 86 429 autres blessés. Dans l'offensive militaire Israël dans Gaza, prend depuis 7 octobre passé, d'après les chiffres qui sont dans le ministère de santé Gaza, qui n'a une déclaration qui paraît ailleurs jeudi. Serge François Michel, VOA Créole. Actualité dans le pays d'Haïti, le gouvernement haïtien a organisé deux journées forum sous intégration jeune avec famille dans l'institution publique. Nous parlons Yves Manuel pour plus de détails. Forum deux journées ça sur intégration jeune ak mesdames yo prend fin dans un hôtel dans Pétionville. Dans finissement forum nan, premier ministre Gary Conille ak divers acteurs dans société civile nan mete yo d'accord sur intégration deux catégories ça yo dans cadre processus transition. Participation jeune ak femme dans processus transition qui en courant, c'est sous thème ça divers citoyens dans société a échangé sur forum deux jours ça qui déroulé dans capitale haïtienne. Activité ça qui c'est une initiative organisation dans société civile visé mobiliser pour bibiti 50% dans population pour capable assurer succès transition. Dans discours premier ministre souligné importance jeunes ak femmes dans processus transition conscient de défi captain population li mandé réseau organisation femmes yo ak jeunes à travers pays engagé activement et courir gouvernement. Nous voulons pile pour une bonne représentation de femmes et de jeunes dans le gouvernement. Nous ne pouvons jamais même presque arriver côté moi-même, nous t'aimons arriver. Et nous connaissons nous beaucoup plus pour nous faire. Nous avons mesuré le succès au fur et à mesure à l'autre décision que nous prenons dans le gouvernement. Parce que son nécessité pour jeunesse là, avec Famio, représenté dans sa cap fête là. Premier ministre là mettait accent tout sur rôle organisation yo dans société civile là, li considéré comme gardien valeurs démocratiques yo, défenseur droit moun à catalyseur changement social yo. Je salue donc cette initiative des organisations de la société civile qui jouent un rôle déterminant en tant que pont entre le gouvernement et la population, en tant que gardien de nos valeurs démocratiques, voix des sans voix, défenseur des droits de l'homme et catalyseur du changement social. Conseiller président, M. Frinel Joseph, reconnaît nécessité pour intégrer tout bon vrai jeunes et femmes pour renforcer participation société civile et assurer succès transition. Nous faisons de l'inclusion un maître mot, garantissant ainsi la possibilité à tous les fils et toutes les filles d'Haïti de contribuer d'une façon ou d'une autre à refaire de cette terre un pays où il fait bon de vivre. Tout de suite après forum, le premier ministre a rencontré le secteur privé affaires autour de la situation globale pays. N'a pas souligné, jeudi vendredi, chef gouvernement quitté pays pour Washington dans le cadre d'un voyage officiel. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Donc, force multinationale là qui est Kenya en tête li, pratiquement il y a en Haïti depuis quelques jours. Donc, depuis qu'on y a, il y a un pile pression qui a fait pour que le public là voulait ou que force là commence à déployer dans différents côtés de la pays, etc. Donc, il y a un pile pression qui a fait qu'on y a là. Donc, jusqu'à présent, tout le monde attend. Et force qu'il y a son commencement qui vient, son embryon qui l'a. Et au fur et à mesure, reste que c'est à Kenya ou bien l'autre, et l'autre unité qui se tient dans l'autre pays, il y a privé dans le pays, il y a fini pour te coûter, mais pas retour. Dans le cadre, c'est pour aider la police nationale à établir la sécurité dans le pays. Nous allons joindre Junior Racine depuis Ville Saint-Marc
sous dossier si là. Kidnapping, viol et assassinat, c'est qu'un exact criminel n'est exempt à suspendre commettre sur population haïtienne, spécialement dans le département l'Ouest, la Tibonite et divers autres départements, encore depuis plusieurs années, en bas autorité l'État. Pour un pile monde, la police nationale n'est pas capable de bataille avec bandit armé, parce qu'il n'y a pas de gros moyens pour faire face carré avec bandit cap simendeï dans les citoyens. Dans ce sens, jour qui était mardi 25 juin 2024, là, y a un premier contingent, 400 soldats kenyans, y est arrivé dans le pays pour venir aider la police bataille avec n'est exempt qui envahi quatre coins pays, spécialement capitale haïtienne. Vini soldat kenyan yo, maqué quatrième gros intervention militaire étranger en Haïti. Si quelques citoyens accueillis vini force là et croient y a un résultat positif, gen l'autre qui pas croient a un résultat parce que intervention mission maintien la paix Nations Unies sorti dans l'année 2004 pour arriver 2007. Résultat, c'est accusation sous viol sexuel, agression à choléra qui la cause. Dit presque 10 000 monde perdu la vie yo. Dans souffrance, ils n'ont pas d'accord tout pour constater que nous avons perdu du temps. Parce que nous commençons à danser, nous avons d'accord pour perdre du temps, c'est action qui n'a pas. Parce que la population n'a pas d'attendre encore. Et au niveau de la police nationale, si nous mettons CSPN dans l'ensemble de toutes les composantes, c'est que tout simplement, c'est un bouffé d'oxygène de force multinationale. Là. Et deuxièmement, il y a un impact ou effet psychologique. Hein, qui peut créer une forme de psychose qu'a gangster pour le mettre à la défensive et permettre que la police nationale marche pour eux et puis le peuple haïtien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans la même circonstance. Ce n'est pas la première fois, monsieur, nous connaissons que il y a une force étrangère qui a débarqué dans le pays d'Haïti. Mais bon, seule question pour nous poser, et c'est malheureux, nous, une génération pauvre comme ça, pauvre d'intelligence, pauvre en matière d'intellectuel au niveau de monde qui vit à penser politique. Monsieur, en regardant dans le 20e siècle là seulement, combien de temps nous connaissons une force étrangère qui débarquait en Haïti? Qui ça qui portait comme résultat? Si que après toute intervention, pas rien qui vient comme résultat, comment je dis à moi le penser avec une nouvelle force qui paraît et puis je dis à moi pas seulement avec un résultat? Sauf miracle, seulement c'est des gens qui viennent, ils viennent ensemble avec des missions spécifiques parce que c'est une situation qui s'est créée et les gens encore qui s'est créée, nous prétendent que c'est eux-mêmes encore une résolution. Et pour moi, même pas aucune résolution pour parler. Mais malheureusement, c'est une situation comme ça qui nous paraît. Et que le monde qui a pu nous la remettre, nous. Adieu. Et qui vivra verra. Merci. Premier ministre haïtien mandé population haïtienne pour rester vigilant et confiant, y a reprendre tout territoire caille pa caille, quartier pa quartier, métropole Bas Antibonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique. Ou besoin qu'on ait ça qui a passé parmi les haïtiens yo, eh bien bon, j'ai donc un détail pour nous depuis Miami, Floride. Vendredi qui se passe là, c'est groupe musical Mood Band qui était à l'affiche dans Sound of Little Haiti dans Miami. Mood Band, qui c'est un nouveau groupe musical dans HM Island qui a à peine 3 mois d'existence, a fait quelques interprétations et a joué 2-3 musiques qui sont le premier album. Ni. Nous avons pris une réaction, quelques participants après fête là. Bon bagay, est-ce que c'est la première fois dans ce mood? Première fois dans ce mood et puis je m'appelle dans ce mood là et parce que chaque fois que j'entends la musique, c'est comme si la musique là en mélodie que déjà connais, comme si une mélodie qui n'a sans moi. So yeah, moi je m'en fous. Nous t'ai parlé tout avec Sanders Solo, qui c'est maestro chanteur, fondateur Mood Band, qui déclarait qu'il est satisfait de premier performance jazz là dans Sounds of Little Haiti. Jusqu'à présent, moi satisfait, parce que comme vous avez dit, vous avez en pile, ou même la regarder. Moi, je suis en place, ça veut dire que, même parce que moi-même, ma peine joie, moi, je fais le travail là, ma peine joie, mon travail là, et j'espère que vous avez tout le monde. Et musique, vous sentez qui est sur le public là? J'aime bien, je applaudis toute musique que je connais. Mais chaque musique nous jouons, nous relais, nous applaudis, nous sommes contents, nous sommes contents de la musique. Comme moi, Carlo vient avec moi, c'est là toujours là, chaque fois, nous avons performé. À chaque fois, même si on a pile de prestations. Dans le finissement de la soirée, nous avons parlé tout avec Sandy d'Orsainville, qui est le principal responsable Sounds of Little Haiti, qui croit que le monde bien passé comme nouveau jazz qui jouait première fois dans le programme. Tout le temps, on a dit nous que faut nous inviter nouveau jazz pour nous encourager et industrie musique haïtienne avancer. So, nous sommes trop contents que Mood est là pour nous faire un nouveau son, un nouveau ambiance. Et nos jeunes amis qui viennent courir tout, so, c'était une belle soirée. Qui prochaine affiche là?
nous vous reconnaissons. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, un groupe musical Calebasse Troubadour célébré samedi passé dans Pembroke Pines, État Floride, 10e anniversaire dans HM Island. Maestro Sorel Jacques a expliqué nos histoires. Groupe musical Calebasse Troubadour. Le jazz a commencé, son petit troubadour qui a commencé à toi, mon. A dit, nous commençons à toi, mon après les nous aller nous présenter, nous faire une petite performance sur les nous après. Mais nous faisons presque la majorité de temps dans le jazz, nous faisons qu'on a fait des birthday party et dans le backyard, nous avons joué la Caïmon, etc. Mais en principe, c'est la première fois que jazz là, c'est le 10e anniversaire là, qui mène jazz là dans un restaurant de Cassa Champette, côté le cas présent de tête comme un jazz, en fait, qui gagne toute salle gagne, qui présente performance ça. Et nous très satisfaits des performances que nous fait à Souéa là, dans Cassa Champette. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, un groupe musical tout neuf prend naissance dans HM Island, dans l'État Floride, c'est Vacam Music Band, qui est fondé par deux chanteurs compas directs. Kenny Demangle, alias Kenny Way, ancien chanteur New York All Stars, Axenglin Yombo, Paul Gary Borno, alias Tog Compa, ancien chanteur groupe Zin at Jakout Music, Yon Lodbo. Vaca Music Band, la gay premier musique vidéo sous machéa, qui pote non Vagabond. Pour toute nouvelle, sous feu d'être dans HM Island, non pam, c'est Jules de Ronsré pour Véro Creole, Miami. Et puis rappelez-nous jeudi à ce vendredi, soit conduit, pas consommer alcool, et sous consommer alcool, pas conduit. Mes amis, passez bon week-end, nawa lundi prochain, Jacqueline Bélizer, collègue moi, bras droit moi. Monsieur Ponty Vacances. Arrivée force multinationale dans le pays suscité en pile réaction. Il y a plusieurs leaders politiques, il y a même qui profitent occasion pour que soient capables de réagir par rapport à ce avec, eh bien, arrivée force multinationale là. Dans ce sens, il y a un ancien colonel Himmler Rebu qui lui-même profitait tout pour réagir par rapport à ce avec arrivée force multinationale là. Et ancien colonel Himmler Rebu a profité occasion tout pour te faire un petit bas de bouche concernant insécurité selon Himmler Rebu, population. Avec quelques bons citoyens qui sont volontaires, qui sont pour être en bataille, capables de mettre un bout avec question insécurité. On a loué qui ça, colonel Himmler Rebu, lui-même, lui déclarer par rapport avec, eh bien, arrivée force multinationale. Colonel Himmler Rebu, lui a fait une sortie, côté que lui déclarer que force multinationale a une humilité individuelle, il n'y a pas qu'à juger dans le pays. Ça veut dire, selon Himmler Rebu, si toutefois, il y a un soldat qui t'a fait un bagage dans le pays, il n'y a pas qu'à juger dans le pays, mais pourtant, il y a capable de juger dans le pays Kenya. D'ailleurs, maintenant, nous avons essayé de parler tout ça ensemble avec nous, par rapport ensemble avec la résolution qui était signée entre Jean-Victor Généus et Ariel Henry, ensemble avec William Ruto, qui est président du pays Kenya. Dans la résolution, gagne yon nan eh bien recommandation ça aussi donc si yon nan policier kenyan yo t'a fait un bagay nan pays la justice haïtienne pa ka jugel t'a obligé voyel nan pays Kenya les ça c'est pays ka jugel pays ka condamné par rapport avec action que li commettre et même que t'a kebe eh bien policier ça la met dans le sac parce que nous comprendre. Colonel Himmler Rebu allait plus loin pour le faire connaître. Population subit en pile. Il y a tant de justice, mon Dieu. Population, il subit en pile dans mes messieurs vivant sans mieux, dans mes nègres examio, qui n'ont, il y a tant de justice, mon Dieu. Et d'après Colonel Himmler Rebu, c'est le moment justice là qui arrive là. D'après Colonel Himmler Rebu, population, t'attend arriver force multinationale là, le fait que force multinationale là lui-même, lui commence à arriver parce que mardi qui s'est passé là, gagné un total de 400 policiers kenyans qui débarquaient dans le pays et faut nous dit que jodi vendredi eh bien monsieur yo t'a fait une visite.
n'a pas tourné sous ça, n'a pas tourné sous information ça, en rété dans question colonel Himmler Rebu. Colonel Himmler Rebu fait connait que le fait que population haïtienne tapton arrivé, eh bien force multinationale là pas étonné nous voit que yon motivation bon côté population haïtienne là et force multinationale là d'ailleurs force multinationale là d'après colonel Himmler Rebu li vini c'est pas pour faire pirouette. Yo vini pour aider la police travail. C'est la police qui pral dénicher bandi. C'est la police qui pral bataille ensemble avec bandi accompagné force multinationale. Et population qui lui-même veut la paix, population qui lui-même veut pour question insécurité ça fini dans pays, population pas prêté bras croisés d'après colonel Himmler Rebu. Colonel là te profiter tout pour te capable pour t'y parler par rapport avec les examens. Il y a les plus loin pour dire, il y a des gens qui ont un poignet, qui ont un cerveau, qui sont capables de résoudre le problème qu'il a. Et la population motivée lui-même, beaucoup te parle. Colonel l'a fait connaître que, il y a un pile de gens qui ont battu le corps, c'est parce que vous connaissez l'amour pour comprendre pour vous. Je pense que nous sommes capables de faire une idée. De qui est-ce que colonel a parlé? Si toutefois l'amour est arrivé à la caillou, mais on ne peut pas croire comme ça. Et depuis que ça, où est l'amour? Cap privé, il a pété courir. Zam qui n'a pas, il a pété la tête. Et c'est une raison qui fait que, eh bien, colonel Himmler Rebu, l'immense population, très prudent dans ce sens. Pral invite nous, tendez, colonel Himmler Rebu, dans le premier temps, qu'a parlé sur l'arrivée de force multinationale, là, et puis, dans le deuxième temps, la parlé de problème insécurité qui est là, qui est capable de résoudre, qui est facile pour résoudre, mais seulement, n'a besoin de gens qui ont bras, n'a besoin de gens qui ont poignet, n'a besoin de gens qui ont cerveau, et population a accompagné Mounsayo, eh bien, y a capable de résoudre le problème. En attendant, colonel Himmler Rebu. C'est ça, y a une immunité individuelle pour tout acte que vous commettez. Ça ne veut pas dire que si vous commettez un acte, vous ne pouvez pas répondre de lui. Mais vous n'êtes pas justiciable devant les tribunaux haïtiens. Vous êtes justiciable devant les tribunaux là. Ça qui fait nous quoi, sentir, suspect. Que tout le temps, c'est dans la main nous. Parce que les gens prennent justice, ils doivent rendre justice. Et quand ils prennent le faire, ils se sont bon bagaille mal dans mon Kenya, aller jusqu'au Kenya pour aller témoigner, pour aller bagaille. Donc, c'est un règle international pour protéger les gens la caillou. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui disposition nous prenons pour protéger tête nous. Donc, je tente de parler de règles. Et je ne peux lire personnellement. Même qu'on est d'une manière générale, au niveau international, ils prend toutes mesures pour protéger les troupes qui viennent intervenir sur le territoire pays côté lié. Si bandit nous connaît dans la 15-16 ans, nous ne connaissons pas. Bandit intermédiaire, c'est demi-patrons. C'est eux-mêmes nous connaissons dans la vidéo qui dansent avec quantité de l'argent, quantité de piscine avec le club privé. C'est bandit intermédiaire, pas ouvert bandit. Il y a l'autre bandit que nous connaissons dans le salon avec eux, qu'on a fait interview avec eux. Des bandits, des gros papas, mettre bandits. C'est eux-mêmes qui mettent business. Là. Si nous pas neutraliser intermédiaires, les finis pour la justice, mettre des codes dans le cou, bien dans le bras, ça a cravate. C'est qu'on vient faire la veille, monsieur. On prend une pause, il y a une sécurité qui est établie, et puis le problème n'est pas levé devant. Donc, on y a là, c'est pour CPTA, hein, avec le Premier ministre. Hein, marie quand son garçon est dans le bien marré. Et puis, on y a pour faire face à un problème. Il ne faut pas oublier qu'on bagaille qui est la population. Qui subit en pile. Capitaine justice, ça a bon diable à Géboulia. Et vous menez un témoin international, bah, nous. Bah, il n'a pas pu vivre un film, il faut bah, la fête tout bon. Donc, on y a un bral bourrique. Pap kap et coupé las. Sans qu'il n'y a pas de vin. Tout simplement des chefs qui pas kon métier, qui pas kon ki jan ou fèl,
et grand pile d'argent dépassé qui dépensé n'acheter faux matériel grand pile bagaille que nous te cap faire avec propre tout que nous y là. Et d'ailleurs m'a pour dire c'est pas Kenyan yo qui va résoudre problème de fond nous gain. La police. C'est la police là. Et puis si vous avez utilisé la population, vous êtes bien content parce que vous avez dit, vous avez dit, c'est papa chef yo avec maman Bini hein, qui pas de vrai problème de résoudre parce que dit nous les fédérer gang yo ça permet nous résoudre problème sécurité yo. Donc c'est pas reine à ma reine bandi yo qui va dire le problème de résoudre. Gen moun cerveau, gen moun qui gen bonheur, qui gen volonté, et nous gen preuve que population campé jam li capable de pile joindre accompagnement pour nous éradiquer cancer ça net sur la tête d'Haïti. Mais samedi, faut pas oublier parraine, marraine, maman, papa, petit bandit intermédiaire avec petit bandit nous dans la vie. Ça c'est déclaration colonel Himmler Ebu. Selon colonel Himmler Ebu, question phénomène bandit qui gagne dans pays, il est facile pour le résoudre. Mais pour autant gen on marche à suivre. Colonel l'a dit, faut que tu invite population. Colonel, population pas besoin d'inviter, non? Population, tout gen 4 invitations dans mail. Et le colonel a parlé de inviter population. Yon seul bagay qui monte dans tête, mais phénomène BK. Suivez mon regard. Eh bien, colonel là t'a parlé de arriver force multinationale là yo commencé arriver parce que force multinationale là a gagné plusieurs pays la donne. C'est vrai c'est Kenya qui pral diriger, mais pour autant gagne plusieurs autres pays qui a rejoint yo, gagne Tchad, gagne Jamaïque, gagne Salvador, pour me citer ça seulement, c'est quelques autres pays qui est pour venir en Haïti rejoindre. Eh bien, force multinationale. Force multinationale, pas bien seulement des policiers kenyans, a bien des militaires tout, parce que bien des pays, c'est pas policiers que y a bail militaire. C'est le cas de Salvador qui a annoncé que y a bail hélicoptère, y a bail militaire et y a bail, eh bien, policiers marines. On d'accord que il y a des opérations que monsieur gien pour mener dans foyer gang yo, gien des espaces pour que occuper la main. C'est le cas de village, c'est le cas de Paul Afito, oui c'est le cas de Titanien, parce que c'est des zones eh bien qui gagnent la main. Pendant que on fait opération terrestre, ils ont capable prendre, ils ont capable prendre ti chaloup là ou t'en délégué arrivé minotri. C'est une raison qui fait que il y a des pays qui voyaient des unités spécialisées dans la mer qui habituent bataille sous la mer. Laisse ça, monsieur on prend accompagner la marine haïtienne pour que yo capable bataille contre nèg yo. Kounya la, force l'on vini depuis mardi. Même que yon vini yon tap petit danse, yon tap pran plaisir yon. Nan mercredi, yon font ti repose yon. Non, force l'on vini mercredi. Nan jeudi, PM nan visite yon. Même jeudi, yon commence, ouais, en réalité, parce que force dans l'rentrer dans mercredi, dans jeudi matin, l'ambassade joue pour équipe li, il met du feu dans tribunal, dans tribunal quoi des bouquets. Oui, bah on plein non, l'ambassade joue. Automatiquement, il met du feu dans mairie quoi des bouquets, on boule plusieurs l'autre espace, on boule plusieurs machines qui étaient dans zone là. C'est une réponse yo voyé by force là. Pour dire force là, eh bien nous là, n'attend nous.
pas oublier, poste à quelques kilomètres de Croix-des-Bouquets, puisque poste lit, eh bien, après base des CPJ, Claircine, c'est là que poste y est. Nouvelle arrivée dans les oreilles, monsieur, mais il n'y a pas qu'on joue de l'autre pour y agir. Jeudi, vendredi, eh bien, gagner force là, il y a une bonne quantité dans monsieur, il prend la rue. Monsieur accompagné des policiers de l'UTAG, unité temporaire anti-gang. Nous capables de constater sur l'écran, eh bien, monsieur là qui a marché, oui, il a déployé, il a fait patrouille dans plusieurs zones. Pourquoi dis nous que monsieur a quitté Bazio, qui clercine, il a fait route de l'aéroport. Par contre, si vous avez pu rentrer dans Simon Pelé, si monsieur Simon Pelé, il a appelé qui vient du man en tête, mais si monsieur Sayo qui t'est barré, il a débarré. Poste là passé sous route de l'aéroport, nous capables constater que il a fait circulation, il a accompagné avec des policiers de l'UTAG, unité temporaire anti-gang. Et il a été accompagné tout avec des journalistes étrangers. Rivé à l'aéroport, il a gardé situation, il a voyagé en bas. Badelma, yo we Badelma blanche, yo di de Badelma ou me pose nan privé. Nan privé. Parce que mission, c'est pas de Badelma l'teye. Mission, c'était centre-ville, surtout zone champ de mars. D'ailleurs, premier ministre Gary Conille, li passe l'autre semaine lundi en fok li al travail. Et li pral al travail, toute l'autre mission doit al travail. Nan sens ça, eh bien, monsieur yo même, yo commence à faire une visite des lieux. Yo mette pied à terre, comme le plus souvent, chef de gang yo, à chaque fois que yo parle, yo toujours mande la police, mette pied à terre, eh bien, monsieur police kenyan yo te mette pied à terre. Yo pas traité en damblende, si c'est vrai que police qui te en damblende, mais genye plusieurs, eh bien, policiers kenyan, pied à terre. Monsieur yo, passe nazon. Le yo rive nazon, yo continue. Pabliem dit nous, destination c'était Champ de Mars, spécialement Palais National. Les monsieur lui venazon, yo font ti campé dans monde de. Si yo te font ti descendre dans Marinette, yo t'a pralé Belair, Kay Kempes. Yo dit Kempes n'a privé. C'est visiter n'a visiter. Les n'a privé tout les mains. Yo continue route yo rive Champ de Mars. Là où rive Champ de Mars, yo contourne Palais, yo gade, yo rive tout bon l'hôpital général, eh bien, yo allé bon ministère intérieur, puisque depuis hier, te gen bataille là, te gen plusieurs unités là, parmi yo UTAG, eh bien, yo ta repousse monsieur Axamio dans zone ça, puisque premier ministre Ariel, aïe, c'est pas Ariel Henry, premier ministre Gary Conille, eh bien, passe l'ordre formel pour que semaine qui vient là, pour qu'il y ait le travail. Eh bien, force là, monsieur policier kenyan, yo, yo commence à mettre pied à terre. Yo pas arrêté, regardez dans l'écran, monsieur bien armé, gros manchon nan men yo, yo gen casque. Ouais, machine police qui écrit UTAG. Et regardez, monsieur, vous avez beg yo, bot yo nan pie yo. Ou déjà, ouais, parce que monsieur sa yo, yo pas pour formation la police seulement, c'est des formations police militaire, même gens avec SWAT. Les policiers de SWAT, yo pas pour formation police de police seulement, yo pour formation police militaire. Eh bien, monsieur, yo, qui yo même fait quelques visites, yo arrivé dans le centre-ville. Yo même arrivé portail Léogane.
bicentenaire, ISO, mais il a privé. Mais il n'a pas arrêté. Si toutefois, tu as un coup de balle qui t'est pété, il t'a pris poste et il t'a joué dans le fond. Mais pas un coup de balle qui pété. Il est allé, il a visité, il a tourné la caillou, il a tourné dans la base. Ce même qui a venu là, nous mettons veillé. Veillé, ti monsieur. Ce même qui a venu là, il y a des zones, il y a des opérations qui ont commencé à mener. N'a fonti quitter information concernant Kenya yo, puisque semaine ça véritable semaine n'a besoin c'est l'autre semaine d'ailleurs yo gete fait quelques visites dans quelques zones mais demain n'a venir sur l'autre aspect par rapport avec visite que t'ai fait jodi en là par rapport avec visite que t'ai fait jodi vendredi en n'a vini ensemble avec yon l'autre aspect de visite ça. Mais on a parlé de tout ça qui sous écran nous. Maître Caleb Jean-Baptiste. Maître Caleb Jean-Baptiste, c'est yon avocat dernier temps ça qui recevoir en pile menace par rapport avec combat que l'a mené. Mais Maître Caleb Jean-Baptiste fait une gros déclaration jodi en là. Li annoncé que par rapport avec problème qui gagne dans question banque parce que jodi an monsieur Bankyo yo l'ouvre porte yo bien large pour moun capable al faire dépôt quantité l'argent va le déposer en américain et eh bien ou gain accès pour entrer dans banque là pour capable faire mais quand il s'agit de l'on besoin faire retrait yo dit comme ça que ou pas ka joindre dollars c'est good que ou ka joindre. Yo fait le même genre avec bureau transfert yo. Ou met à le déposer comme là. Kounyan là. Ou poko même quitter pas porte barrière banque là pour sortir dehors, téléphone nous sonner ou répondre bon monde qui gon urgence ou bien ou bon fond ou gon urgence comme ça ou te déposer ou tourner pour que ou capable al faire retrait une quantité la donne. Eh bien banque là Abdou désolé monsieur nous pas gain dollar. Tendez bien oui ou à peine déposer pourquoi même quitter banque là Abdou désolé monsieur nous pas gain dollar transaction là capable faire en good mais à qui tôt n'a pas capable faire tôt c'est 132 good tôt formel là tôt informel là c'est 140 141 good. Ça veut dire 2 euros, liste 41 goudons dollars. Et tout besoin de dollars, on est obligé de prendre un goud avec 132 goud. Et puis, les poids l'acheter 2 euros, on a besoin de plus comme. Ça veut dire, comme il y a un bon là, il n'y a pas de faire rien. Eh bien, M. Caleb Jean-Baptiste, monsieur qui font sortir là, côté que l'immande banque, dégagez yo, bail moun yo comme yo, en dollars. Il va seulement demander au bail moun yo comme en dollars, lui demander tout pour annuler et mes circulaire qui aimait qui t'a demandé pour bail peuple comme là en goud là. N'a pas rappelé que banque te met ton circulaire dehors, yo te doit partir de telle date telle date telle date, eh bien monnaie que moun n'a pas capable recevoir transfert. Recevoir comme c'est en goud. Maître Caleb Jean-Baptiste mandé pour rentrer circulaire ça rapide vite. Il mandé tout pour bay moun yo comme en dollars. Et si on pas bay comme en dollars, il annoncé plusieurs mouvements. Et il annoncé tout, il pral sommet et bien banque. Entendez réaction Maître Caleb Jean-Baptiste sous dossier ça. Ya nous gagnons pour nous parler de un dossier qui a fait actualité. Côté que peuple haïtien pas qu'à joindre l'argent dans la banque. Côté que peuple haïtien pas qu'à joindre en dollars dans la maison transfert. Nous connaissons très bien, peuple a parfois des bagages qui besoin acheter, c'est en dollars pour l'acheter. Les peuples qui ont des cobli en dollars, ils semblent passer 4 cobs. Il semble par 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Il y avait 4-500 dollars dans la banque.
L'aldeyel, bak la di ou pa ka balil, c'est un goud pour ou balil. Jodi a, Maître Caleb Jean-Baptiste, nan tout mon bloc avocat yo, et Stanley, qui se représentant tout militant, qui sont cadres en de pays à tout, li genyen pou nan parler sur ça. Comme on ta comprend, jodi a la, yon moun li gen kòp li nan bank, l'ALDL, quel que soit banque bank an jou ke, c'est un goud d'abaoul. Nous genyen pou nan somme tout banque yo, pou nan somme BRH, BRH qui c'est Banque de la République d'Haïti, yon le banque centrale tout, pour li exiger et puis annuler ce qu'il est qui te prend, qui te mandé pour bail peuple accompli dans maison transfert en goutte. Sinon, dossier ça, il pral fait un gros tollé sur le plan national international et nous pral devant toute banque pour nous donner comme nos dollars. Et le ça, pays a pral obligé de lever campé. Manifestation à gauche, manifestation à droite, on exige comme nous un dollar. Deuxième bagaille que on va parler après Stanley a pour parler tout. C'est sorti ça que Maître Caleb Jean-Baptiste fait journée aujourd'hui. Maître Caleb Jean-Baptiste pas seulement aborder question banque yo qui pas vle bay moun yo comme en dollar, même que ou fait ou vin recevoir transfert yo voye comme la pour en dollar yo même yo baoul en goud avec tout la kayo et ou dépose yon comme la kayo en dollar leur besoin comme la chercher c'est en goud. Yo décidé pour yo baoul. Mais Maître Caleb Jean-Baptiste, il te profite tout pour te fonti parler de politique pays. Il parlait ensemble avec Premier ministre Gary Conille. Oui, il parlait avec Gary Conille. Il même annoncé que si Gary Conille pas capable résultat avec la question, eh bien insécurité nan jou k ap vini la yo, l'a commencé lever derrière Gary Conille. L'a commencé avec mouvement, eh bien, révolution, eh bien, manifestation. L'a commencé avec manifestation encore, Gary Conille. Li fait connaître, c'est même moun qui est sous Ariel Henry, qui sous pouvoir. Li parle à Gary Conille, li mande li libérer prisonniers politiques. Et li mande Premier ministre Conille former un conseil de sage ak CPT pito question CPT conseil présidentiel non li di se yon conseil de sage ki dwe genye et par rapport avec conseil de sage lan eh bien li mande PM nan pou ekri président Cour cassation pou yo bay yon président sinon peyi an pral leve kanpe semaine k ap vini la. Ça, c'est gros annonce, Maître Caleb Jean-Baptiste fait. Mes amis, entendez Maître Caleb Jean-Baptiste. C'est Mounio, oui, qui l'a jodi à la? C'est même Mounio! Je dis avec Premier ministre Gary Conille. Premier ministre Gary Conille, Maître Caleb Jean-Baptiste. On va chercher job dans mes on va chercher l'argent dans mes les sont professionnels de haut rang dans le pays. Ils sont avocats expérimentés dans le pays. Qui crédible, qui honnête, qui compétent. J'ai 15 ans de bataille là, souterrain. Libérer tout prisonnier politique gratuitement. En tant que coordonnateur national, bloc avocat engagé pour libération prisonnier politique pour défendre le monde. Comme on va dans pays ensemble les va comme ça, mandé moun ki sikoto yo qui est-ce qui met Caleb Jean-Baptiste. Mandé moun ki sikoto yo qui sak bloc avocat, il y a une structure
qui a plus que 200 avocats à travers 18 juridictions pays. Nous pas fait cadeau non et nous demandons pressé sans condition. Conseil présidentiel ça qui gagne une équipe moun la dedans qui est impliqué jusqu'au zo et pas tout non dans la corruption que m'a pour citer dans jour là tout ça qui prend corps dans la corruption qui a pris des belles machines sur le peuple là qui a pris corps dans le secteur privé et puis même le secteur privé ça prend corps dans le là secteur privé va garder une sécurité non pour le servir pour business même secteur privé ça il a pris corps dans le là il va garder le secteur privé à courant non. Et puis, même, ils sont seulement contentés comme politiciens raquettés volés, prennent l'argent. Je vais gagner pour me dire, politiciens volés, ça y est. Suspendre à rançonner les gens et me demander avec le Premier ministre Gary Conny. Jean-Madame Rebecca Porto, tu as écrit où? Je ne sais pas si l'État est arrivé dans la main parce que l'État est dans le privé depuis bien temps. Jean-Madame Rebecca Porto, écrit où? Qui sont jeunes filles de 23 ans, qui étaient Canada. Qui fait inagé. En tant que vous voulez ça, c'est lui qui écrit. C'est parce que ils sont jeunes, ils compétentes. Pour montrer qui j'ai la jeunesse pays à gaspiller. Pour nous dire clairement. Bon, c'est Maître Caleb Jean-Baptiste qui t'a parlé. Maître Caleb Jean-Baptiste a annoncé la couleur. Non, premier temps avec Bankyo, l'immande Bankyo dégager au pressé pressé. L'immande Bankyo dégager au pressé pressé pour que moun yo capable jouer comme yo Jean Otevoy là. Qui donc yo voye comme la en dollars pour moun nan doué jouer comme li en dollars. Si toutefois l'elle rive la caille nous, si moun n'a changé la caille nous, n'a fait ça ensemble avec. Et il allait plus loin tout. Il dit que li pral sommer Bankyo. Li pral sommer Bankyo. Et a fait bagay moun nan mette dollar la caille banque là. L'elle besoin dollar ou 10 pour droit bal là, Maître Caleb Jean-Baptiste dit non. Et demande rapide vite rentrer, eh bien circulaire que nous te mettez dehors pour ça. Deuxièmement, il parlait concernant politique pays. Il parlait avec Monsieur Gary Conny, le Premier ministre, Maître Caleb Jean-Baptiste, lui fait PM nan konnen que depuis le pas résolu. Problème de sécurité qui est là, lui même Maître Caleb Jean-Baptiste, l'a commencé avec mouvement mobilisation contre le PM Gary Conny. Et Maître Caleb Jean-Baptiste, lui conseiller PM nan question conseil présidentiel transition pour le retirer quoi la donne pour le faire en pit de préférence yon collège et eh bien yon conseil de sage yon conseil de sage et yon a écrit cour de cassation président cour de cassation kabayo yon président non et conseil de sage et li annoncé que si toutefois ça ou pas répété eh bien l'ap campé avec mouvement mobilisation. Nous toujours dit ou gen intérêt pour capable suivre information nous. Mais l'ap informé nous informé. Et une raison qui fait que nous toujours dit prend le soin pour que ou capable partager information avec quantité moun qui zanmi ou qui fami ou pour que information capable arriver et bien joigne yo laisse ça. Il a abonné et puis il a partagé et il a écrit nous tout, il y a un commentaire pour que vous soyez capable de dire, j'ai recevoir, eh bien, information.